Éclairs. Clique sur mon livre et je t'apprendrai tout sur les orages. Voici les responsables des orages. Ce sont des cumulonimbus. Tu dois d'abord savoir qu'à l'intérieur de chacun de ces énormes nuages gris se trouvent des gouttelettes de pluie et de petits cristaux de glace qui sont bousculés par de très forts courants d'air. Les puissants courants d'air des cumulonimbus produisent tout un remue-ménage dans le nuage. Les gouttelettes et les cristaux de glace se frottent et s'entrechoquent, créant ainsi de minuscules particules électriques. Lorsque ces particules sont très nombreuses, elles s'attirent avec une force incroyable et créent un éclair. Lorsqu'il traverse le ciel, l'éclair rend l'air qui l'entoure si chaud que cela provoque une forte explosion. C'est le tonnerre! Grâce au radar, nous serons plus en sécurité. Thank you.
mes félicitations. C'est vraiment un plaisir de voyager avec vous deux. Grâce à toi, je suis libre. Grâce à toi, je suis libre. Soleil matin prévoit qu'un grand jeu de lumière aura lieu dans le ciel tout l'après-midi. Radio Sorcier vous informe. Gare à vous, le sorcier peut vous apercevoir, même si vous vous cachez la tête dans le sable. Soyez prudents, il y a de l'électricité dans l'air. C'était Radio Trafic. À votre service. Grâce au radar, nous serons plus en sécurité. C'est comme moi, mon gars. Pas du zèle. Je vole. Je vole. Yahoo. Flip, flop, flop. T'en passe partout et viens me rejoindre. C'est bien. Entre maintenant, Mango. Sois le bienvenu, Mango. Sois le bienvenu, Mango. Bienvenue chez moi, Mango. Bonjour, Mo. Thank you.
Tu sais que l'air a un poids? Eh oui, c'est la pression atmosphérique. Cet instrument, le barographe, enregistre et inscrit sur du papier la pression atmosphérique ou le poids de l'air à tout moment de la journée. Voici un baromètre. Il mesure le poids de l'air ou la pression atmosphérique, si tu préfères. Mais qu'est-ce que ce drôle de tableau? Si le professeur Rigolo était ici, il pourrait m'expliquer. Nous sommes dans une station météorologique, mon petit Mango. Et ceci est une carte météo. Demande à ton compagnon de cliquer dessus et je vous expliquerai tout. Allez, clique sur la carte, mon ami. Voici une carte météorologique semblable à celle qu'utilisent les météorologues pour nous informer du temps qu'il fera dans les prochains jours. Tu vois ces lignes et ces signes bizarres? Écoute, je t'explique d'où ils proviennent. Au même moment, nuit et jour et partout dans le monde, des stations météo équipées d'instruments très précis enregistrent des informations. Comme la température, la direction et la vitesse du vent, les types de nuages et leur hauteur dans le ciel. Une fois recueillies, ces informations sont analysées par des ordinateurs très puissants, puis sont portées sur des cartes météorologiques sous forme de symboles. Les symboles des cartes météorologiques sont très pratiques, car ils sont compris par n'importe quel météorologue dans le monde entier. Les prévisions des météorologues sont importantes, car elles préviennent les gens des chutes de neige, des orages, du verglas, de la forte pluie et des dangers des grandes tempêtes. Il y a décidément trop de poussière ici. Voici un anémomètre. Regarde ces petites coupes de métal. Elles nous indiquent la force du vent. Plus le vent souffle fort, plus elle tourne vite. Cette armoire porte le nom d'abri Stevenson. C'est dans cet abri qu'on range les instruments de météo pour les protéger du soleil et les garder bien au sec. Voici l'héliographe. Cette boule de verre reçoit les rayons du soleil et les concentre sur un ruban de papier. Les rayons du soleil sont si chauds qu'ils laissent de petites traces de brûlure sur la feuille de papier. C'est grâce à l'étude de ces brûlures que nous pouvons savoir pendant combien d'heures de la journée le soleil a brillé. Le pluviomètre est un pot dans lequel on récolte la pluie. Grâce à ces petites graduations, on peut ensuite mesurer la quantité de pluie tombée. Ce thermomètre sert à mesurer la température de l'air. C'est grâce à lui qu'on peut connaître la température la plus chaude de la journée, le maximum, et la température la plus froide, le minimum. Ce drôle de coq est une girouette. Regarde bien sa flèche. Elle nous indique dans quelle direction souffle le vent.
la manette de contrôle. Prêt pour le décollage, mon commandant? Clique sur la manette de contrôle. Flip, flap, flop. Auditeur de Météo Soleil Matin, une symphonie de couleurs se prépare dans le ciel. Radio Sorcier a appris de sources secrètes que le vilain Abracadabro préfère la vie en noir et blanc. En effet, il détesterait les couleurs. Pilote, restez à l'antenne de Radio Trafic. Et ne passez pas sous l'arc-en-ciel, il est très chatouilleux. C'est la peau, auditeur de Météo Soleil Matin. Ici Radio Sorcier. Un terrible malheur s'abat sur nous, chers amis. Abracadabro dort de moins en moins. On s'amuse bien. Amateurs de voile, attachez-vous bien si vous ne voulez pas vous mouiller. C'était les dernières nouvelles en provenance de Radio Trafic. Grâce au radar, nous serons plus en sécurité. Abracadabro ronfle. Vite! Dépêchons-nous de libérer ma famille avant qu'il se réveille. Mmh.
Allons, dépêchons-nous. Fantastique! La clé pour Papa Plumeau! La clé pour Gogo! Enfin libre! Youpi! Bravo! Bravo! La clé pour Maman Bisou! La clé pour Jojo! Waouh! Comme vous êtes courageux! Tu es un champion! Dépêchons-nous! Ou Abracadabro va se mettre en colère. Merci, mes chéris. Nous sommes enfin réunis. Bravo! Bravo! La clé pour Papa Plumeau! Je veux bien que je pouvais compter sur vous deux. Tu es un champion! La clé pour Soson! La clé pour Soson! Je n'aurais pas retrouvé ma famille. Merci beaucoup. Maintenant, que la fête commence. Youpi! Nous voici à la fin de notre voyage, mon ami. N'oublie pas que le carnet de bord de ton aventure sera précieusement conservé au centre de l'arbre creux. Félicitations encore et reviens nous visiter. Merci et à bientôt!